C'est le processus d'un travail qui a été mené pendant un an et demi avec les habitants. 10 000 contributions, ce qui est beaucoup sur ce genre d'exercice. Nous avons été sur l'ensemble du territoire. Et ce que l'on ressent, c'est besoin de plus de proximité, mais aussi que chacun se reconnaisse et un rééquilibrage du territoire. Donc le mot côte aujourd'hui disparaît, parce que l'Ouest, ce n'est pas simplement la côte, c'est aussi les hauts, ce qui fait toute sa richesse. Je m'attends des larmes au sommet des montagnes, mais aussi à l'intérieur de l'île avec ma femme. Donc de correspondre à la réalité de ce territoire, d'être plus proche de l'ensemble de ses habitants et de mettre en cohérence une vraie politique publique. Nous avons mis en place cette stratégie Ouest 2040 et que dans cette stratégie politique, tout le monde se retrouve. Et là, l'ensemble des maires se retrouve parce que les politiques se font sur l'ensemble du territoire et que chaque habitant s'y retrouve aussi. C'est ce qui nous a été remonté. Et ce nouveau visuel, c'est lancé dans cette perspective, dans ce travail à long terme où nous avons la moitié des ports de plaisance et donc le bleu qui est essentiel avec la moitié des hôtels de La Réunion, ce travail touristique qui est essentiel, le vert évidemment sur la richesse, ce parc, ce cœur Mafat qui est important et puis ce côté terre et côté habitant où on voit l'ensemble du territoire. Donc tout ça fait que il faut lancer une nouvelle dynamique et souvent dans ces occasions, on lance ce nouveau visuel, mais aussi un travail collectif avec Cycléa, avec la SEMTO, avec l'école intercommunale de musique, avec l'office de tourisme, avec les ports de plaisance, que ce travail-là se reflète de l'ensemble des outils qui accompagnent le TCO dans sa politique.